Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de USC Counterforce. On se retrouve pour continuer notre petite partie qui se passait, ma foi, plutôt pas mal. Alors, je regardais un peu, ici il y a un mur à 26 qu'on pourrait envisager de casser. On n'a pas trouvé de traces a priori du mainframe, mais on sait qu'il y a du loot en bas. Et j'aurais bien envie, honnêtement, de partir par ici. Après, le problème, c'est que... Ouais, il y a un wall à 3, là. Ouais, ça serait une idée, je pense. Oula, qu'est-ce qui se passe? Petit lag, excusez-moi. Je pense qu'on va faire ça. À mon avis, on va mettre un petit single quote pour charger. Ensuite, tu avances. Est-ce que tu peux passer? Non, tu peux pas passer. Voilà. Et là, du coup, on voit quelques ennemis. Ok. On les prend un peu par surprise là. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un avec une wield torche? Non. Tac tac tac, cette porte elle va pas tenir longtemps. On va quand même la pirater. Et est-ce qu'on a quelqu'un qui est costaud en field d'expertise? Protectrice puce pouce, ouais. Le soldat là il est pas mal. Docteur Darin, sinon, Docteur Darin qui pourrait se charger de fermer ça. Mais si on touche, on lui met quand même les grosses stacks, hein, donc on prend. Du coup, là on peut pas avancer plus. Toi tu vas te mettre là, et c'est dommage, tu peux pas te baisser puis défendre. Du coup, tu vas te contenter de te baisser. Toi, tu vas aller jusque là. On va essayer de se débarrasser de l'explosif. En plus, il est blindé. Ouais, là, je pense qu'il devrait crever. Moins de 10% de vie. Il a une grosse stack de poison. Le poison, c'est comment déjà? Tac, tac, tac. Tiens. Donc, le poison ne diminue pas à moins qu'il soit traité. Donc, là, il a 3, ce qui veut dire qu'il est à 30 plus. Est-ce qu'il a une bonne résistance au poison, lui? C'est pas marqué. Alors, non, pardon. Toi, tu vas avancer plutôt d'un cran par là. On va foutre un soldat derrière toi. Est-ce que si je passe en short... Ouais, c'est ce que je pensais. Je peux pas le viser, lui, parce que malheureusement, il est planqué. Il y en a un autre là. Là, il y a potentiellement une porte qui va être gênante. On va se préparer à défendre sur ce... sur cette insertion, entre guillemets. Reload. On est en short burst, on défend. Et toi, tu vas rejoindre jusqu'ici. Ok, premier objectif, aller chercher les ressources. S'il y a un nid, ok. Et le main data frame, vu qu'on est apparu au milieu, peut être n'importe où. Mais globalement, on a mis de la détection par là et on voit qu'on est quasiment au bout de map. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il soit là ou là. Plutôt là, j'imagine, puisque le loot est ici. Toi, il te reste 6, t'as rien à faire, vas-y, recharge. C'est parti. Ok, lui il meurt comme prévu, excellent. Ça tape fort déjà là. Donc ça doit être un Worm Alpha, soit. Ok, un petit verre là. Alors les verres ne peuvent pas ouvrir les portes, c'est ça qui est cool quand tu joues en premier. Oh putain, ça par contre c'est pas bon. Il s'approche trop. Non, ne le tuez pas. Oh ok, il s'est arrêté. Ça c'est cool, ça c'est moins cool.
On recule d'une case et qu'on bute celui-là. Avec un peu de bol, ils vont se mettre à plusieurs autour de lui là. Du coup, les deux là ne voient pas. Ah non, pardon, elles sont pas en. Non, c'est. C'est ces deux là qui sont en couverture. Pourquoi il a pas tiré Azul Gunner là? Ah la vache, l'enfoiré! Ok, on prend de la stack. Coucou. Ah oui, parce que non, pardon, c'est eux deux qui sont encore en. Waouh. Waouh. Putain, la vache. Ok, il y a encore du. Il y a encore du méchant là. Docteur Darin va avoir du taf. Il a crevé. Il n'est pas mort. Parfait. Il est pas mort et il est pas en panique. Alors déjà, si je te mets là... Ouais, c'est ce que je craignais. On peut pas toucher. Malheureusement, on va devoir utiliser un gros medikit là. Tu vas mettre un petit pansement. Et il va falloir qu'on recule un peu. Lève-toi et balance une grenade en plein sur sa mouille. Voilà, ça fait du bien. Après, tu mets un coup de pompe là-dedans. Un coup de pompe là-dedans. Un autre. Allez. Putain, la vache, quoi. Il est vénère. Ah, il y a un autre alpha là. On va reload. Et on va aller se mettre par ici. Ok. Il va falloir qu'on se débarrasse de tout ça. Ça c'est un. Ça c'est du travail pour un food burst. Hein. Toi t'as un peu souffert aussi, ce serait bien si on te mettait un petit bandage. Voilà. Il va pouvoir progresser par là. Excellent. Vas-y, food burst. Plus de munitions. Reload. Encore un coup. Un coup sur lui. Oh putain, une grosse défense lui là. Putain, on est en face. Hein. Et en face qu'il est le plus faible. Est-ce qu'on peut le finir? Voilà, parfait. Avec nos dernières balles. Lui par contre a pas pris du tout de saignement. Et il faut encore qu'on se le fasse. Alors. On va finir lui, j'ai pas envie de prendre de risques. Et tu vas venir ici. Te préparer à. Avoiner ça, parfait. Et après, il te reste plus rien, donc avance. Oh. Une Reaper Mother planquée dans l'angle, là. Ouais, on vient là, dans son dos. Ça a l'air assez clean pour le reste. Ah, mais il va falloir que tu reloades. Alors, attends. On va finir lui. Ou en tout cas essayer, rater, on va reload, full burst, la priorité c'est ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ces PV de dingue encore là? Ok, c'est géré, il reste 7 enfoirés. Et on n'a plus grand chose, si il reste toujours elle. Ok, ça c'est fait, parfait. Y a pas trop de trucs pour qu'il ait ouvert les portes pour le moment. Là, on peut pas passer. Hein. Si, on peut passer par là. On va essayer jusqu'ici avec toi. Passer l'angle. Là, il y a un truc à débloquer. Oui, le mainframe, il est juste là. Ouh, puis alors, il y a la race de loot aussi par là. Le mainframe est là. Ok, parfait. On va se poser tranquillement par là et on va couvrir. Et toi, Docteur Darin, tu vas te mettre par ici et tu vas couvrir ce qui voudrait avoir envie d'arriver par cette porte.
Et tous les autres, ils sont bons. Allez, c'est parti. Ok, on est bien là. 18 tours, on est déjà pas mal. La question, c'est après, est-ce qu'il faut qu'on se réextrait par là ou pas? On va verrouiller cette porte, je pense. Ce sera un très bon plan de verrouiller cette porte. Ça m'étonnerait qu'on aille par là. Là, ça a l'air d'être fermé. Même si là, il y a un trou. Ouais, faut qu'on verrouille cette porte. Même si elle est endommagée, qu'elle tiendra peut-être pas longtemps. Tout ce qu'elle tiendra. Ah! La saloperie qui passe dans notre dos. Pas cool. Je vais lui mettre un petit pansement des familles. Ok, ça commence à s'exciter là. Ça va pas tenir longtemps les murs ici. Ouf! Et là, il y a quelque chose de très violent qui tape là. Ok, un petit bandage, je pense que ce sera mieux. Ouah, ouh, coucou. Donc là, il y en a un là, un skitter. Alors, du coup, la priorité. Ok, on reload, full burst. Et lui. Voilà, comme ça, on peut se faufiler ici. Ah, il y a une porte ouverte par là. C'est de cette là qui viennent les enfoirés. Et tu peux reload et partir par là. Voilà, comme ça on fait un peu de place. Ok, ici on va remonter. On va verrouiller ça. Notre priorité pour le moment va être d'aller nettoyer ça, verrouiller cette porte si on peut. Du coup, tu vas aller par là, toi. Ok, il y a une petite merde. Tu peux attendre ça. Ouais, mais t'auras pas assez pour bloquer, malheureusement. Donc, autre soldat. Tu viens là. Vas-y, passe en full burst, toi aussi. Alors, non, parce qu'il te reste juste un petit tir. Faites la gueule de ce truc. Reload. Il faut se débarrasser de la Mother, là. Allez. Footing. Ah, elle veut pas, hein. Elle veut pas, elle veut pas. Bon, bah c'est un travail pour pisse-pousser son pompe alors, hein. On va mettre un quack-quack là. Quack-quack. Reload. Et on a même plus de quoi mettre un seul quack-quack. Okay. Non, putain, je peux passer nulle part du coup là. Je pourrais jamais avoir d'angle, ils sont trop petits. Dommage. Et là, si je veux avoir un. Non. Oh, putain, elle me bloque elle. Oui, mais elle pas encore bougé. Donc, viens là. Ah, on la voit là, 86, let's go. Et on se rate, magnifique. Saloperie. Oh, sérieux! Deux tirs ratés, quoi. Pousse-toi du chemin. Ah, et le snipe, il voit pas par contre. Et un grazed, c'est pas possible. Ah putain, on manque tellement de puissance de feu, quoi. Bon. Tu viens ici, tu le vois. Oh, mais allez. Oh, faut toucher, là. Vous comptez mourir ou quoi? Bon, bah, visiblement, il compte mourir. Ballot, hein. Il y avait certainement moyen de survivre, pourtant. Lui a peut-être crevé.
Par contre, ces deux-là, ils vont être libres. Et puis, du coup, il y a des saloperies qui rentrent. Oh la vache. Ils vont s'acharner sur elle parce qu'elle est bien endommagée, malheureusement. C'est pas dit qu'elle survive s'il lui tire dessus. Ils ont ouvert cette porte, de toute façon il fallait qu'on l'ouvre, mais... Ok, lui il se replie. Bon là on va peut-être reculer, grenader tout ça du coup. On va voir. Pour le moment, de pas beaucoup, mais ça tient. Ah, là ça a cédé. Attends, c'est chaud hein. Bon, là c'est de la petite merde. Faut vraiment qu'on aille se placer à un endroit pour grenader ça. Ici par exemple. En vrai, il faudrait que je le grenade juste là. Voilà, ça fait un peu de place. Là, il va nous falloir un medikit ici, pas le choix. Ça m'emmerde, mais bon, tant pis. Alors lui, il est immunisé au... ouais, on va aller... mettre un coup de pompe dans sa mouille. Allez. Lui il est immunisé au poison, donc on va essayer de pas utiliser le poison sur celui-là. On va se mettre... Non, c'est pas toi qui devais te mettre là. C'est toi. Voilà. Lui, il est crevé, je pense, inférieur à 10%. Il a plein de saignements, plein de poison, ça devrait aller. Il y a lui qui est un peu chiant, ici. Ah mince, ici elle me coince elle. Ok, viens par là, reload, défend. Là on va lui mettre quelques full bursts dans les fesses. Là où il a pas de défense. Allez, nos munitions commencent à devenir problématiques. Hein. Alors ici, ce qui serait bien, c'est peut-être de passer prendre un petit bandage. Et après, on va aller jusqu'ici. On va se permettre de payer pour fermer la porte. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des saloperies qui ne savent pas ouvrir les portes qui passent. Ok, inférieur à 10%, il a 49 stacks. Il y a moyen qu'on se le soit fait. On va reload. Il reste lui. On va le mettre là. Short burst défense pour couvrir la porte. Docteur Darin. Non, toi. Il y a toujours un alpha worm qui s'est barré là. Oh, tant pis, on va le finir lui pour passer. Il est où? Il est là. Il y a un truc à fermer ici. Là, la porte est ouverte, mince. Ok, on lui tire dans le cul et on fermera ça au prochain tour. Alors ici, on a quoi? Plein de soins, excellent. Ici, des nucléaires shells. Là, du soin, du soin. J'espère un peu de munitions. Mais on va quand même se faire place sur le loot, ça c'est sûr. Hop, on défend comme on peut cette zone.
Et toi, tu vas progresser jusqu'ici. Et toi aussi, parce que ça va être à toi d'aller pirater. Donc attention à pas te coller au scorpion, qui va, j'espère, crever. Parfait. Ah putain, ils ont pété cette porte. Ils arrivent dans le dos de Pispouce du coup. À tous les coups, ce machin va nous popper un truc dans les tronches, hein, dans la tronche, logique. Oh putain! Saloperie dans mon dos là. Elle va avoir besoin de renfort, Pispouce. Non, ah, la porte qui a pété dans mon dos là, ça fout la merde, hein, clairement. Ici, il y a moyen que ça cède aussi. Enfin, ils sont énervés, quoi. Ok, il va falloir looter et se barrer. Alors, on va regarder. Ça donne quoi ça? Ok, on peut le démanteler pour récupérer des matériaux, pourquoi pas. Et là, on pourrait éventuellement passer par là, tant qu'à faire, on fait le tour du coup. Juste qu'on évacue par là, du coup. Donc, on va avoir besoin de toi. Tu vas nous loot un max de trucs. Ici, ça a l'air d'être calme en plus, niveau ennemi. Si on pouvait fermer cette porte éventuellement derrière nous. Il va juste falloir qu'on ait de quoi nettoyer et qu'on sorte Pisse-Pousse de là. Voilà. Un gros coup de pompe et on n'en parle plus. Ici, le mur 23, donc il va péter au prochain tour, c'est sûr. Alors là, malheureusement, ça me coûte cher dans les lance-enclumes, mais on va le faire pour contourner son armure. Et ici, on court. Toi, ma chère. Ramasse ça, pourquoi pas. Ça enlève de l'acide, hein. On peut l'utiliser sur n'importe quelle unité proche. Très bien. Donc toi, t'as zéro acide, t'as juste pris des dégâts. On va te mettre un bandage. Là, on a un peu d'acide, là, on a pas mal d'acide. Donc là, l'objectif, ça va être de tanker. Tu vas te mettre là, toi. Tu vas mettre un petit truc comme ça sur là. Toi, l'objectif, ça serait d'éventuellement déjà récupérer ça. Parce que c'est toujours bon à prendre. Verrouiller cette porte barrée. Vas-y, pousse ça. Tu verrouilles ça. Alors ici, est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait arriver avec suffisamment de points là, là? Potentiellement toi. Toi, ta priorité, c'est d'aller là. Commencer à pirater les trucs. Parfait. Donc ça, c'est fermé. Toi. Récupère donc un petit peu d'hydrazine, parce que pourquoi pas. En défense, tu couvres cette zone, c'est pas si mal. Mais il faudrait que tu ailles fermer ça parce que je le sens mal. Est-ce que toi tu pourrais y arriver? Et elle était pas devant, peut-être. Dommage. Dommage, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire que pour le moment, tu vas reload et couvrir ici.
Bah, si un truc méchant nous pop dans le dos, tant pis. Là, on va avoir toi en défense. Et ça, pisse pousse. Et ça, je pense que c'est pas la peine. Ah, si tu vas jusque-là, malheureusement, t'auras pas de quoi défendre. Ok, vas-y. Oh, du coup, tu peux défendre par-dessus lui, ouais, dans une certaine mesure. Bon. Allons-y. Il y a des œufs qui closent, on entend le bruit. J'avais pas fait gaffe, il y a un truc aussi violet ici. Donc c'est rien. Ça doit être le hatch là. Coucou toi! Ok, on va se replier là et boucher avec les caisses probablement. Plutôt que verrouiller la porte. Putain, Azul, t'es mauvais, hein. Vraiment, t'es mauvais. Ah. T'entends ça. Allez, on prend. Hop. Ok, alors toi, la priorité, c'est que tu hack. Donc, tu hack. Parfait. Ensuite, qui c'est qui pousse? Toi, ça, tu pousses à 6, toi, tu pousses à 5. Donc, ça pourrait être toi qui pousse, ce qui veut dire que. Toi, tu irais chercher ça. Que tu ramasses à 2. Le problème, c'est que si je me mets là, je bloque le chemin. Donc malheureusement, c'est pas toi qui vas t'occuper de ça. Tu vas aller défendre en bas. Là, on va recharger. On va passer en single. Et on défend. Du coup, Docteur Darin vient là. Ferme ça. Tu vas venir ici. Tant que même là, on commence à être short en munitions, quoi. Tu vas récupérer l'équipement. Que c'est quand même toi qui es le plus efficace avec. Ouais, faut que tu te replies. Jusqu'ici. Toi, tu vas là. Tu pousses ça, tu vas là. Tu pousses ça. Voilà, pas mal. Pas mal du tout. Ça va les obliger, alors ils vont partir par là probablement, hein, mais bon, c'est comme ça. Tu peux défendre un peu là? Ouais, pourquoi pas. On n'a pas trouvé de munitions. Après, de toute façon, hein, ceux qui vont venir là vont se barrer de l'autre côté. Hein. Donc, on va les retrouver les ennemis. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mets-lui un petit pansement à lui. Ce sera toujours ça de pris. Baisse-toi, puis défends. Et en termes de PV, il t'en manque quand même plus d'une centaine. Un petit medikit comme ça, c'est 160. Ça, c'est un petit peu trop. Ah, t'as plus de points de toute façon. Ok. Même ça, tu pourrais pas. Bon. Viens là, toi. Vas-y, défends là. Toi, tu défends. Toi, t'as plus de points pour défendre. Toi, tu vas te. Ce que je défends ici, c'est pas utile. Il y a probablement qu'ils vont vouloir tabasser, mais là il y a un cristal de déotonite aussi.
Il va jusque là pour nous donner une vision. On 3. Alors après, toi tu peux pas aller plus loin, donc tu es obligé de défendre là. Donc cool. Ouh, il y a le réacteur ici. Très très bien. Allez, c'est parti. Alors les caisses vont pas forcément tenir très longtemps, mais au moins ils peuvent pas les pousser. Et il y a quand même du monde, hein. Waouh, elles vont peut-être même tenir encore moins longtemps que ce que je pensais. Ah, il y a quand même des gros qui sont en train de s'exciter là, ça me va plutôt bien. On va essayer de les faire courir un peu, puis qu'on récupère le data frame, on remonte par là. Ah oui, il y a des caisses ici aussi qui coincent. Non, il y a moyen de passer, peut-être pour les petits là. Les petits peuvent passer là, mais pas les gros. J'ai un bruit de porte. Alors, on prend du poison, on a plus rien pour enlever le poison. Je crois pas que ça s'enlève du poison, hein. Non, c'est du feu et de l'acide. Ok. Yes, sir. Il se pousse en avant. Roger that. Ok, ici c'est locked. Est-ce que t'as moyen de venir jusqu'ici et d'avoir assez de points pour ouvrir? Oui. Oh putain. C'est celui qui était blessé en plus qui a fait tout le tour par là. Ok, poussez-vous du chemin. Understood. Understood. Yes, sir. Target hit. Attack. Allez! Mais Azul, qu'est-ce que tu fous? Yes, sir. C'est ouf! ⁇ 52% de chance seulement, mais... Quoi ce délire, hein? Merci! En plus, on a fait un trou là, parfait. Ok, du coup, défense. Le mur il est à 135 ici, il y a quand même moins qui tiennent, la porte est à 240. Ici. Roger that. En avant. On s'accroupit, on défend. Toi tu viens juste derrière. Massifinta des Otonites. Reload. Défense. Hop. Allez, on progresse. Ça se passe pas si mal pour le moment. On va pas trop espérer, mais ça se passe pas si mal. Derrière cette porte, il y avait peut-être des trucs intéressants. Ou alors il y avait des gros aliens. J'aimerais autant qu'ils me mettent pas plein de saloperies de nids partout, là. Enfin, de trucs hasard douce, là. Ok, là, il y a un petit qui se faufile. Il a fallu 3 tirs pour le tuer, c'est beaucoup. Ça va être notre dernier, là, je pense. Même pas encore. Ok, pour l'instant, on arrive à éliminer ce qui s'approche. J'aime plutôt ça. Ah, là par contre ça va être plus compliqué. Aïe. Bordel. Putain, on a plus d'armure, ils arrivent à taper direct dans les PV là. Ça fait mal aux fesses. Ok, ici ça tape en zone mais ça fait très peu de dégâts. Ça c'est plus gênant. Oh, oh non, ils l'ont fait tomber. Putain, mais cours, elle avait tant de mouvements, cette enfoirée. Pisse-pousse qui tombe. Bah non, Pisse-pousse ne peut pas tomber. En plus, ça panique. Ok. Il va falloir qu'on reload.
Ah, on vise le pas le zéro mort, mais au moins, ouais, si, le zéro mort. Pas perdre de viewers, j'aime bien l'idée. On est en hard, hein, donc de toute façon, il y a de la violence, c'est normal. Est-ce que du coup, on lui mettrait pas un soin? Lui mettre un soin. Ah, 19 en ligne droite, on pirate ça. Ensuite, toi tu vas ouvrir parce que c'est toi, ça te coûte que 2. Et il y a la saloperie qui est là. Alors, est-ce qu'on va réussir à mieux viser? C'est pas dit, hein. Droite, on couche. On se pousse. Ok. On n'a même pas les petits viseurs là pour nous aider à mieux viser. Ok, c'est pas mal. Du coup, peut-être que cette fois, on va plutôt se mettre à l'abri. Toi, tu viens jusque-là. Tu t'accroupis. Tu défends, toi, tu défends, toi, tu viens jusqu'ici. Tu défends. Et toi, avec tes 4 points, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Elle est toujours équipée de son lance-grenade, mais on a de la munition d'arabe là, faut peut-être falloir envisager d'en donner. Il y aura 116 et 188, ouais. Ça va se finir à donner des coups de crosse aux aliens, hein. On se l'a dit, rien que les nucléaires shell, ça coûte hyper cher, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est un leecher, ça. On le voit avec son aura de rouge autour. Hein. Je devrais peut-être réduire un peu leur zone de défense aussi, pour qu'ils évitent de miss là, ce genre de distance-là. Ok, ça va être notre dernière. Pas encore. Ok, il y a un truc qui s'excite là. Ça, c'est cool. Et je pense qu'il va mourir rien que du poison, donc on va pas s'en occuper. Non. C'est encore assez de mouf, quoi. Alors qu'ils viennent de je ne sais où. L'avantage c'est que là la méga là, elle va devoir faire un gros chemin, donc elle va peut-être pas réussir à faire grand chose. On va espérer. Ah si, elle a encore de quoi taper un coup. Ouh putain, on a pris tellement cher encore là. Est-ce qu'on meurt avec le saignement? On survit de justesse. Vas-y. Quack, quack. Quack, quack. Ok, pas très efficace là pour le coup. Lève-toi, il va falloir aller soigner. Mais la race de soins. Là, on va y aller en full burst. Dans ses fesses. Allez. Allez. Merci. Ici, on reload. On va aller finir à coup de pompe pour la vengeance. Bim. Bim. Voilà, bon lui on a dit il est mort probablement. Alors avec qui on avance? On pousse pas hyper frais. Hein. On va jeter un oeil avec toi. Pour l'instant il n'y a rien. Ok, là il y a un foutu œuf. J'aimerais voir ce qu'il y a là-dedans. Que dalle, c'était juste un potentiel raccourci. Et ici, il y a un swarmer, un bébé swarmer, ok. Bon, on avance tranquillement. On va reload défendre. Toi, tu vas venir là.
Putain. Allez là. Oh là, t'es sérieux? T'as même pas réussi à le tuer. Si je vais jusqu'ici, j'ai pas de quoi tirer. Et puis ce pouce, elle peut plus rien faire. Alors qu'on reprenne notre snipe là. Yes, sir. Attack. Ah mais c'est ouf les PV de ce truc, putain. Sans déconner quoi. On a plus un point. On va ici, on défend. Toi tu peux même pas reculer. Toi vas-y avance. Lui faut qu'il meure du poison, sinon il va nous faire chier. Ok parfait. Bon, il y a au moins lui là. Potentiellement j'imagine d'autres trucs. L'avantage c'est que là il n'y a que les petits qui peuvent passer, a priori. Si on pouvait aller pousser une caisse là ou... Ouh putain ils peuvent passer là maintenant. Bon il y a de l'érasine devant, ça va les... leur péter à la tronche si... ils s'excitent dessus. Ça serait bien un petit pansement sur Malvin Junior histoire qu'elle prenne pas trop de PV en plus. Ah la vache, un tanky. Et en plus il a lâché un copain. Bon. Ouais, là il va falloir qu'on s'occupe d'un petit bandage là. Hop, au moins pour soigner, mais on prend 12 ans de poison, donc ça coûte hyper cher par tour. Allez, on avance. Alors ici, rien. Là on a quoi? Un masque, des trucs de hack. Un data pack, des munitions pour fusil à pompe. On va finir à poil. Hein. Alors, Malvin Junior, l'idéal, ce serait qu'elle arrive là. Donc, du coup, c'est les autres qui vont s'occuper de tuer. Toi, tu vas venir là. Là, et tu vas t'occuper de cette petite merde. Voilà, c'est bon. Elle devrait crever de poison. Ici. On ramasse l'hydrazine, on reload et on lui met un couac-couac dans sa mouille. Excellent. Il a pris poison, saignement, moins 10% et je pense qu'il va crever. On va pas s'en occuper plus. Toi tu progresses par là. Tu nous hack ça. Et après, truc là, pourquoi tu veux pas le prendre? Ah putain, t'as plus de place. Et bah alors, pourquoi tu veux pas le prendre? Extract data disk for mainframe. Bah oui, oui, tout à fait. Ah, bon. Bon, je suis persuadé que quand je suis arrivé à côté, ça m'a mis une couleur comme quoi il y avait quelque chose de possible. Passons, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Ici, ça a l'air d'être potentiellement un cul-de-sac, donc c'est plutôt cool. Ici, on peut pas passer. Ok, on peut pas passer. Voilà, parfait. Je me doutais bien qu'il y avait une grosse saloperie. On va loot le truc. Ici, c'est pareil. Alors là, il y a un mur, là, il y a un mur. Ok, donc là, il y a que la caisse qui bloque. Du coup, on va aller se mettre par là. 300, 300. Ouais, on est plutôt bien en sécurité. Il y a trois objets à looter là. Des munitions, de la petite pilule. C'est pas mal. Reload. Et t'es bien dans ton petit coin au chaud. Maintenant. Ça serait bien d'aller pousser cette caisse. Donc ça va être toi qui vas y aller en dernier. Ah, mais tu peux pas passer toi, malheureusement. Ça, c'est con ça. Non, stop, arrête-toi, bloque pas le chemin des copains. Toi, tu peux aller jusqu'où? Jusque là, d'accord.
va mettre lui là. Toi, tu te pousses par là, tu te tournes, tu reloads avec tes 4 restants. Et ici, on défend. Voilà, là, il nous reste 5 points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 points? Pas grand-chose, parce que en gros, on se met devant. Et pourquoi je peux pas extraire le datapad, là? Fait chier, ça. Il est devenu rouge, hein, je sais pas pourquoi. Passons le tour. On va voir. J'espère qu'il va pas bugger. Ah oui, il meurt, mais bien sûr, il sort tous ses copains, lui. Bien évidemment. J'espère qu'il faut qu'on s'extrait dans la même zone qu'on est venu. Hein. C'était pas précisé, mais... Ok, là ils sont excités sur le truc qui le coinçait. Oh! D'où il sort lui? Il y a des saloperies qui arrivent par derrière nous. J'aime pas ça. Ça sent la grosse merde qui va nous tomber dessus. C'est où que ça tape? J'ai pas vu. Ok, ici il y a quelque chose. Donc si on y va, il faudra qu'on fasse gaffe. On sait qu'il y a l'alpha scorpion qui se balade. Alors, ça y est, on peut le prendre. Ok, on doit se replier maintenant. Parfait. Toi, tu prends un peu cher en termes de PV. Donc, ce serait pas mal que Doc Tardarin t'y aille. Ah. Salut. Vas-y. Mets-lui une grosse race de soins. Voilà. Alors là, il y a une petite saloperie derrière. On va envoyer. Eh, mais du coup, je vais pas pouvoir pousser à cause de cet enfoiré qui est derrière. Putain, je vais pouvoir tirer. Ok. Je vais pouvoir tirer. On va tirer. Cool. Cool. Bute-moi ça. Voilà. Alors là, il y a un alpha. Il te reste plus grand chose malheureusement. Même pas assez pour te... pour te baisser. Et toi t'es coincé là. Donc du coup comment on pourrait faire? Avec un point tu peux aller là ou là. C'est naze. Toi. Ramasse le loot. On s'en fout. On le prend. Du coup vu comment on est coincé, je pense qu'on va push ça là. Là, techniquement, on pourrait passer, mais... Non, putain, non. Display de l'enfer. Bon, après, c'est elle qui a encore les meilleures chances de tanker, hein, mais... C'est quand même de la merde. Bon, tant pis, on va faire avec. Ah, oh, c'est naze. Bah ouais, là, t'es un peu... T'es un peu dans la merde, toi. Copy that. Toi, t'as qu'à couvrir par là. Là, j'avoue, on est un petit peu serré, là. Ouais, viens par ici. Et puis, bah... Défends derrière. Sait-on jamais. C'est naze. C'était naze ce move là, j'avais oublié que j'avais déjà fait préparer son mouvement, donc il a suffi que je clique une fois pour que elle bouge. Et en plus elle a potentiellement... Non, il y a des murs donc il y a potentiellement qu'un seul ennemi qui peut y aller. Par contre, voilà, ce qui est idéal c'est ça. Qu'il y ait une petite merde qui vienne. Ça veut dire que derrière, voilà, les autres ils vont lui taper sur elle pour passer. Sur la petite merde, donc ça me va bien.
Putain. Ok, faut qu'on s'arrache d'ici. On va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long par contre. On fera la suite lors du prochain, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.